Et puis salut tout le monde, c'est Spizzy, on se retrouve sur Pokémon Uranium. La dernière fois, ben, on avait attrapé Actan, et puis maintenant on va attraper son frère, ben, son frère l'Aviron, je pense. Alors bon, je vais vous montrer que là, bon, n'utilisez surtout pas de corde de sortie, parce que j'ai vu dans les commentaires, bon pas dans les commentaires, mais j'ai vu dans le forum, que si vous utilisez une corde de sortie dans la caverne de d'Actan, ben je pense que ça fait crasher le jeu, genre alors... N'utilisez surtout pas de corde de sortie ni dans l'Actan ni dans l'Actandite tunnel. Bon, on va aller vous le chercher. Alors bon, bon, l'épisode ça va être plutôt genre de trouver l'autre Pokémon légendaire. Alors avant de partir, nous allons nous acheter bon quelques petites super potions. On ne sait jamais. Alors bon, on va s'acheter quand même pas mal de trabal parce que là, bon, je vais peut-être pas acheter 58, mais bon. On va chercher une vingtaine. Des hyper potions, j'en ai quand même pas mal. Des revives, j'en ai pas mal. C'est plus... ouais, les super répels. Ouais, il me reste même plus un seul. Ok, ouais. Je remets 30. Comme ça, on est correct. Et on y va. Alors bon, je voulais préférer des max répels, mais bon, ça me dérange pas. Maintenant, il faut que j'aille... Bon, ok, il faut que j'aille sur la route 16. De toute façon, nous avons appris Waterfall et Gyarados. So... Ça me dérange vraiment plus. On va continuer à utiliser une chanson. C'est-tu celle-là? Ah voilà, on est arrivé, oh, voilà. Là je sais que il y a quelque part, ah voilà, un waterfall. Ah bon, on est obligé d'utiliser celle-là pour monter. Allez hop, voilà. Une Pokéball. Sword Dance qui est pas pire, ça augmente de 2 l'attaque physique. Mais bon, pour l'instant j'ai pas besoin. Nous allons regarder, parce que je sais que la caméra n'est pas si grande, on va regarder. Par où est le... Mais par où il est caché le Pokémon Uranium? Bah le Pokémon Uranium, je veux dire le Pokémon légendaire, désolé tout le monde. Et bien ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Faites pas de si dur. Alors on sort par ici. On revient par là. Ah non, désolé, ma faute. Ok, j'ai peut-être bugué sur ça, je comprends pas, mais bon. Alors, montons. Ouais, on va toujours utiliser des ripples parce que là, il y a même pas mal de monstres sauvages. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, allons-y. Tac, tac. Non, c'est par ici. Par en haut, alors? Ah! Ah ah! Part comme ceci, comme ceci, comme celle-là. Et voilà, Waterfall. Faudra monter en haut, évidemment. Et voilà, on est arrivé. Grau, je vois pas. Ah, c'est qui lui? Je pensais que j'étais le seul qui connaissait la partie de cette caverne. Eh, attends une minute. Je te connais, tu es Spitty, pas vrai? Tu es champion de Tandor. Ah, je le savais. Seulement les plus forts dresseurs peuvent venir ici, genre comme moi. Je suis Adam, un des élites dresseurs. J'ai battu Kanto et Johto, genre les Pokémon League. Mais je regarde pas te battre pour l'instant, pas pour l'instant. Je suis juste venu te donner ça. Ces gravures, ça doit être depuis des centaines ou même des milliers d'années, genre vieux. Je suis pas expert, mais ça semble que comme quoi il y a trois Pokémon légendaires. Oh, ben, et Actan, ok. Là, bon, on l'a attrapé Actan. On va attraper l'Actan et maintenant il manque Etran. Tu as, oui, c'est vrai. Oui, je sais qu'il était attendu au pic de Actantine. C'est vraiment cool d'avoir un Pokémon légendaire. Maintenant, je vais faire la même chose. Si tu dis ces écritures depuis longtemps, et puis il me suggère que le Pokémon rare, l'Actan, résiste dans cette caverne. Je t'ai terminé à l'avoir dans ma collection. Qu'est-ce que tu penses de genre de construire une équipe? Je sais pas qu'est-ce que tu penses, genre dans ces plus craft profondes, mais je suis sûr que c'est pas vraiment très très ami. Les gars, les joueurs de Pokémon, ils sont vraiment très menaçants. Mais comme nous sommes deux dresseurs très forts, ben on pourra se protéger. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bon, ok, je prends le choix de dire oui. Parce que déjà je suis bloqué. Bon, la caverne est juste ici. Ok, je sais même pas c'est quoi. Waouh! C'est ce que t'as entendu, je pense pas qu'on est seul dans ces places. Allez, on y va, ok. Une Mystic Water pour augmenter, je pense que ça c'est pour augmenter les attaques hauts.
Et Max Revive, ok. De toute façon, là, je commence à avoir un peu peur, là. Oh, shit. De toute façon, les deux, puis j'ai toujours utilisé Max... Oh, crat. Qui êtes-vous? Eh, qui peut se passer dans cette terre sacrée? Je suis le... un manque genre de l'antide, et c'est mon job de vous laisser loin, ok. De toute façon, les deux contre toi, et tu es tout seul. Ah, ok, comment ça, là, il peut avec moi, lui. Ok, déjà, c'est pas mal, je sais pas comment faire. Dragon Rush, ok. Bon, elle va perdre, mais bon. On vient de lui enlever la moitié, Dragon Rush encore. Ah, ça veut dire qu'on a deux Pokémon légendaires sur... On a, ben, on a un sur trois pour l'instant. Ah, presque. Il me faut encore Dragon Rush, ok. Bon, ça dérange pas, de toute façon, j'ai un Max Revive, puis j'ai pas mal de revives avec d'hyper potions. On va voir Gyarados. Intimidation, parce que j'ai Ice Fang, so, de toute façon, pour contre les dragons, c'est vraiment pas la meilleure chose. Voilà. Ok, il est plus rapide que moi, mais il rate. Ice Fang. Voilà, bon, de toute façon j'aurais pas, j'aurais pas besoin de faire un super efficace, mais bon. Alors, on va envoyer Artepa, je sais pas c'est quoi, mais ouais. J'aurais plus d'un Pokémon Surf, ça. Ouais, il m'a fait quoi? Je peux voir. Ok. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il m'a fait, mais ça a l'air de devoir faire très mal. Et acrobatique. Ah, acrobatique. Ah, c'est sûr qu'on gagne d'autres, c'est un Pokémon vol. Ah, plus il y a Moxie. Ok, dude. Il me fait Night Slash. De toute façon, je devrais bien le tenir. Hmm, pourquoi? Ok, Rocky. Ah ouais, c'est vrai, je porte ça. Dès que quelqu'un me touche en termes d'attaque physique, ben il prend pas le dégâts. Il vient de tomber. Calvingun, je sais pas c'est quoi. Calvingun. Ah ok, le Pokémon haut, oh, ok. Et voilà. Ben haut glace, on peut se dire. Non, il ne fait pas un... Ok, non. Non, non, ça tient pas. Il est pas perdu au moins. Iron Head. Voilà. Tracton non. Brick Break. Ah la moitié. Bon presque la moitié. Dragon Rush. Bon c'est un Pokémon acier, je pense pas que ça va me faire trop. Même pas. Speed Boost. Ah c'est vrai lui a Speed Boost, oui oui. Ah là là ça fait mal. Non je pense pas qu'il est plus rapide que... Ouais il est plus rapide que moi. Ouais ok genre. Le mec a fait un Speed Boost, il l'a rattrapé quoi. Oh t'es pas sérieux. Genre on rate à chaque fois le truc quoi. Pas vraiment efficace, ok, voilà. Ok, il reste presque plus de vie, mais bon, ça dérange pas. Et voilà, bon, ok, quand même assez, pas assez dur, c'est quand même... Il avait quand même tenu, man. Hein, expirable. Bon, c'est vrai qu'il y a, pas, il y a moi qui a pas plus de monk, là, parce que là, ça commence à me faire un peu mal au cul. Mais au moins, ok, le mec, moi, il me somme Pokémon. On va sauvegarder au cas où. Oh, pas quelque chose. Psychique. Bon, ça c'est très bien ça. Ah, j'ai été de manque. Alors, on peut-tu se faire un combat de contre 2 là, s'il vous plaît? Ok, nice. Ok, un haut, un...
Ah, ok. Moi, je m'attaque le feu, contre toi, tu t'attaques contre l'autre. Shadow Ball. Ouh. Ah, 51. Ah, c'est pas le Pokémon que je voulais avoir, que j'ai pas trouvé. Ouais. Je pense que c'est celui que j'avais vu dans des mots, mais on l'a pas retrouvé, genre, c'est vraiment bizarre. Comment il est là, je sais pas. Pourquoi tu t'attaques sur lui? Je voulais le mettre sur lui aussi. Ok, mais ça le me finit même pas. Ah, plus je rate, nice, ok. Ice Beam sur moi, bien sûr. Waouh. Shadow Ball va le finir. Hydro Pump, on va le finir. Et là, je pense qu'elle va me finir aussi avec son Ice Beam. Je pense qu'elle va me finir avec son Ice Beam. Ah ouais. Non, je pense que je vais tenir. J'espère que je vais tenir. Oh, moi j'étais nice, c'est bon. Flareon. Qualtic. Ok. Nasty Plot. Je sais pas pourquoi il fait ça, genre. C'est absolument rien. Au lieu d'attaquer le mec qui me fait Nasty Plot. Hydro Pump. Voilà, ça devrait pas. Flareon devrait pas le tenir. À 120 x 2. Ok, j'ai rien dit. Ice Beam contre Qualtic, ça va faire assez mal. Bon, Fire Blast, ça devrait pas faire grand chose. Ok. Ok. Intimidation. Je vais enlever le feu, d'abord. Je préfère plus enlever le feu que l'eau. De toute façon, je vais faire Waterfall. Je pourrais faire Dive. Non, je préfère faire Waterfall. Dragon Rush, Dragon Pulse. Ça lui enlève le 3K, ou bien non, moitié. Flareon ne tiendra pas, bien sûr. Ice Beam sur moi. Non, sur le dragon. Ça fait extrêmement mal. Et il tient pas. Nucléon. Ah, je savais pas qu'il y avait Nucléon. Ok, c'est le dernier Pokémon. Bon, on va se mettre au Waterfall. Okay. Last Rizzo qui fait absolument rien. Ah, ça ne finit pas. Ok. Une Ice Beam sur moi. Non, sur le tien. Faire deux fois plus de dégâts. Au moins qu'il tient. Mais là, j'espère que ça va faire quelque chose. Oh, il est congelé. Ça, c'est... Genre, yo, le nombre de fois, j'ai jamais congelé quelqu'un avec Ice Beam. Avec genre... avec Ice Fang. Genre, c'est incroyable. Oh, chain it. Waouh. Bon, mais ça dérange pas parce que je viens de la finir. Non, Ice Beam sur ça ne va pas grand chose. Voilà, la moitié. Sheer Cold. What? Sheer Cold? Ok. T'es sérieux là? Genre mec, 30% de frapper, genre si tu me touches là, je commence à péter un plomb. Et voilà. Un spirit genre qui brûle en toi, ok, ouais. Merci les... Encore, t'es pas sérieux. Ouh. Une atmosphère. Oh, ça c'est pour une méga évolution de Ampharos. Bon, on peut... Non, je peux l'esquiver. Non, je peux pas l'esquiver. Bon, oui, je sais. Sans tranquillité, je vais te détruire, bah oui. T'as l'air d'un Pokémon de... Ah, voilà, de feu encore. Hydro Pump. Hero Lune tiendra cette attaque. Oui. Eh boy. Drain Punch. C'est un Pokémon insecte. Ok, un coup critique. Bon, ça, là c'est qui tout double. Et c'est double. Voilà. Normalement c'est où je le tue ou qui me tue, mais bon. Voilà, il va me sortir Thérapion, ok. Amuse-toi. Ah, oh, bon, il est plus rapide que moi. Ah, je pensais le tenir. Archil. Vous allez voir ce que je vais faire.
S'il me fait body slam, il va se prendre des dégâts de skin. Alors bon, ça commence mal pour lui. Ah non. Oh. J'ai déjà oublié qu'il était type feu, oui. Bon, on va faire le quête. C'est bizarre parce qu'il y a la forme d'un type électrique, je trouve ça vraiment bizarre, mais bon. Genre, vous voyez, genre, tous les trucs jaunes, puis la queue en électrique, genre, je trouve ça bizarre. Bon. Tête là, ça me dérange pas. Voilà, Dragon Croc, il devrait le finir. Non, même pas. Il va me faire... Oh, Fissure. T'es sérieux? 30% de chance. LOL. LOL. 30% de chance et ça touche, quoi. Non, mais c'est une blague. Non mais genre 30% le mec va me toucher. Ok, mais de toute façon Fissure marchera pas sur moi parce que je suis type vol. Il me fait Dragon Rush mais malheureusement ça rate. Et je vais te finir avec Waterfall. Voilà. Et Gliscor, même pas. C'est un petit proche. Je sais pas pourquoi il l'envoie mais bon. Je trouve ça bizarre. Ok, guillotine, mais où? Ok, le mec a juste vraiment des coups one hit KO, quoi. Et malheureusement, ton Gliscor ne tiendra pas cette attaque. Oh, ben oui, tiens. Rat guillotine? T'es sérieux, dude? Mais lol, quoi? Genre, le mec est vraiment chanceux, quoi. Genre, 30%, ça touche, là. Damn! Le mec est vraiment chanceux, quoi. On peut pas se blâmer. Je peux pas le blâmer, là. Vraiment chanceux. De toute façon, ça c'est un dernier Pokémon, alors bon, tiens, voilà. Mais t'es sérieux? Guillotine Fissure. Like, god damn. Quel pouvoir incroyable. Oui, dude, mec, t'as pas de m'écraser à chaque fois avec ton truc de guillotine, genre. Ok, ben là, ok. Bon, ça atteint pour l'instant tout le monde, alors j'espère vous apprécier la petite vidéo sur Pokémon Uranium. Moi, je vous dis à la prochaine, j'espère vous apprécier. N'oubliez pas de partager, commenter si vous avez aimé. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.